En été 2015, il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient en Grèce. Et alors, en septembre, le 25 septembre de la même année, on a pris la décision d'occuper un bâtiment qui appartient au ministère du Travail pour héberger des réfugiés et des migrants. Jusqu'à maintenant, on a hébergé plus de 6000 personnes venant de à peu près 15 ou 16 pays différents. Syria, war, here, peace. Pour notre squat, notre avancis, il y a eu deux périodes différentes. La première, jusqu'en mars 2016, qu'on a l'accord entre l'Europe unie et la Turquie, les réfugiés, les migrants venaient pour se reposer à Notara pour quelques jours et continuaient leur chemin jusqu'aux frontières, le passé et aller dans un autre pays européen. Après, on a la deuxième période, après l'accord. Par exemple, en ce moment, on a des familles qui habitent plus d'un an à Notara 26. Salam, je suis أهل افغانستان هستم و حدود 9 سال میشه من افغانستان را ترک کردم به دلیل که افغانستان ناامن و بسیار جنگ هست و بعد که پدرم جزو ارتش بوده تو جنگ طالبان و ما تو افغانستان امنیت نداشتیم و دلیل دومش هم اینه که ما یه قومی هزاره هستیم و من خودم که یک زن هستم ارزش تو افغانستان ندارم و بسیار مورد شرب و ضرب و آزار و اذیت قرار میگیرم و همچنان قوممون و ما نمیتونستیم اونجا زندگی کنیم به همین دلیل افغانستان رو ترک کردم و فرار کردیم رفتیم ایران و 8 سال تو ایران زندگی کردم اونجا عروسی کردم و دارای 2 فرزند ولی چون مدرک نداشتم و نمیتونستم درس بخونم و پسرم که باید مدرسه میرفت نتونست بره مجبور شدیم اونجا رو هم ترک کنیم و اومدیم طرف اروپا و خیلی سختی ها رو پشت سر گذاشتم به خاطر که من 2 بچه داشتم و قچاقی اومدیم و بعدم که دریای یونان خیلی سخت بود و هر دفعه که یادم میاد میترسم و دیگه الان هم اومدیم اینجا یه ماه تو کمپ بودیم خیلی اذیت شدم و همیشه اونجا هیچ رسیدگی نمی کرد داخل خیمه بودیم شب روز زیر رو بارون می بارید و خیس بود و اومدیم تا ناتارا رو پیدا کردیم و من الان اینجا خیلی راضیم و خیلی اینجا رو دوست دارم Thank you بس Les principes de base de Notara 26 sont la solidarité, l'autogestion et la démocratie directe. On a une assemblée une fois par semaine et tout le monde, les résidents, et je ne dis pas les réfugiés parce que ce sont eux-mêmes les réfugiés qui ont dit on préfère le mot résident, les résidents et les solidaires. Tous ensemble pour prendre les décisions et quelquefois qu'il y a des disputes, évidemment, qu'il y a des disputes parce qu'on est un corps vivant et on prend les décisions surtout avec le consensus. L'assemblée de Notara 26 commence à peu près à 8h30, 9h et va jusqu'à minuit et quelquefois et on va continuer jusqu'à 1h du matin, à 2h du matin. La première partie, ce sont les informations diverses. La seconde partie, on parle de nos projets, et le fonctionnement de notre squat et aussi on parle de divers problèmes parce qu'il en existe. Par exemple, on parle souvent de questions telles que la sécurité de notre squat, le nettoyage, la cuisine, l'éducation des enfants, et notre collaboration avec d'autres squats pour les réfugiés migrants et pour des questions politiques comme notre participation aux manifestations et à d'autres projets ou actes politiques. Et on parle de propositions qui viennent de Solidaires, pas seulement de Grèce, mais aussi des autres pays, de convois solidaires. Et de toute façon, qu'on peut aider et supporter comme solidaires et pas comme philanthropes. En ce qui concerne la participation
des résidents ce qui se passe à Notre-Dame 6, la participation à l'Assemblée, la participation aux équipes de travail. Il vient ou elle vient du pays où ils ont vécu la guerre ou la dictature, et il vient ici, il participe. Et d'autres qui ne veulent pas le faire. C'est comme le grec, le français, les espagnols, les américains. Ce n'est pas une discrimination entre le peuple et les cultures différentes. Il y a beaucoup de Grecs, je vous assure, beaucoup de Grecs qui restent dans leur canapé. C'est tout à fait la même chose. Εγώ, μπράβο. Εσύ, μπράβο. Αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό, αυτό. Γράψε εδώ. Είμαι 16 χρονών. Πάω πρώτη ηλικίου. Με λένε Χριστίνα και ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω λόγω του άλλου ανθρώπου. Ένα καλοκαίρι στοιχείο που είχε έρθει ο Κώστας να μαγειρέψει για τους πρόσφυγες και για όλους τους ανθρώπους φυσικά. Εκεί πέρα ήταν η πρώτη μου επαφή που αυτό που νιώθεις ότι βγαίνεις λίγο εκτός του δικού σου κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο αρχικά διεκδικείς πράγματα για άλλους, δίνεις φωνή σε άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν φωνή. Και αυτό γίνεται και μέσω της εκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά να δίνεις τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εκφραστούν όταν κάποιοι τους το στερούν αυτό. Και στους δύο χώρους που βοηθάω, μου έχουν πει αυτό ότι είμαι πολύ μικρή, ας πούμε, ότι τους κάνει εντύπωση που είμαι τόσο μικρή και έρχομαι. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει η ηλικία. Έχει να κάνει πιο πολύ ενσυναίσθηση και πότε νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις. Και όταν το νιώσεις αυτό, απλά είσαι εκεί. Για εμένα κιόλας, επειδή είμαι, ας πούμε, στην εφηβεία, νιώθω ότι είναι και ένας τρόπος που ορίμασα μέσα από αυτό. Ναι, πιστεύω ότι θα έπρεπε πολλά περισσότερα παιδιά να στην ηλικία μου να έρχονται εδώ πέρα και να προσπαθούν και να μην και να σταματήσουν να δίνουν τόση σημασία στο δικό τους μικρό κόσμο, αλλά να προσπαθήσουν να φτιάξουν κάτι καλύτερο και να βγουν έξω από αυτό. Le 24 août 2016, les fascistes ont attaqué Notara. Et c'était une attaque incendiaire. Ils ont voulu brûler vraiment des enfants, des dizaines d'enfants et leurs familles. Mais par chance, on n'avait pas de victimes. Et on a fait sortir du bâtiment trop vite toutes les personnes. Ils habitaient dans cette période à peu près une centaine de personnes à Notara. Et dans 15 jours, avec les solidaires qui ont beaucoup aidé, on a eu la possibilité de la faire fonctionner jusqu'à maintenant. Les fascistes ont attaqué à Notre-Dame 6 pendant la nuit, dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas se trouver sous le soleil, à la lumière claire. Alors ça, c'est le vrai visage du fascisme, qui porte deux masques différents. Le fascisme, c'est la haine, c'est la mort, c'est l'esclavage, c'est la plus grande folie de l'humanité. L'enfant sauvé des eaux, ou né ici dans le ruisseau, parmi les humains monnayés, sur une planète abîmée, le vieux monde craque de tous côtés. Tout ce qui est vivant est en danger. L'idéologie du pillage nous a conduit à ce naufrage. Mais les rebelles s'entraident pour des
dépend de toi, de chacun. Que sera demain? Que sera demain? Que sera demain? Je te souhaite de vivre longtemps, de t'épanouir harmonieusement, de mettre en commun tes talents, libre entre égaux, naturellement, et des sourires en arc-en-ciel. Souhaite simplement d'être. Que sera demain? 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 Avec l'amour et la révolution, au seul horizon. Avec l'amour.